le monde, moi c'est Marguerite Kaba, je suis guinéenne d'origine et je fais MBA éthique d'affaires à l'Université Laval. Et moi c'est Yasmine, je suis d'origine comorienne, mais j'habitais en France, j'ai la nationalité française et je suis en baccalauréat, c'est-à-dire licence en économie et mathématiques depuis 2019 aussi. Bah, bonjour, mon nom c'est Daniel Conan, je suis ivoirien, je fais une maîtrise en administration des affaires, option gestion des entreprises. Moi c'est Emmanuel Kouadio, je suis ivoirienne d'origine aussi, je fais la maîtrise en finance et voilà. Vous dormez ou pas? Moi c'est Adrien Eboui, ivoirien, je suis en MBA planification financière et puis je suis à Québec depuis 2 ans. Est-ce que vous avez des infos sur les bourses? Est-ce que vous avez eu une bourse? Est-ce que vous avez entendu quelqu'un parler de bourse? Est-ce que voilà, vous avez des infos pour ceux qui aimeraient venir mais qui n'ont pas forcément les fonds et qui pourraient? Bon. Moi personnellement, tout ce qui est bourse en Côte d'Ivoire, mais pour tous les Ivoiriens qui vont regarder cette vidéo, ils savent très bien que pour avoir une bourse en Côte d'Ivoire, c'est assez compliqué. Okay. Mais étant sur le territoire ici, je sais que l'université octroie des bourses dans le sens où déjà tu dois, y a certains critères, par exemple avoir une certaine moyenne et tout. Mais je pense pas que cette bourse soit assez considérable, mais quand même ça peut quand même aider. Je sais vrai qu'il y avait la bourse, je sais plus comment ça s'appelait, mais bourse en gros quand t'es vraiment broke, ouais, là, moi je connais, j'ai des amis qui avaient fait et tout, et c'est très simple. Tu dis juste, j'ai perdu mon logement à cause de Covid, En tout cas, moi j'ai expliqué ma situation, moi je me disais, je pleurais. Des scénarios. Mais c'était quoi? C'était 500 dollars la première fois, 500 dollars la deuxième fois. Donc ça aide. Le logement peut-être. Là, on parle de ceux qui sont comme. En tout cas, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui ont la chance d'avoir des relations pour avoir des bourses, profitez-en. Mais donc il faut connaître, c'est ça. Je sais qu'il y a différents, comment on dit, départements ou ministères qui donnent des bourses. Il y a la DOB, je ne sais pas ce que c'est. DOB veut dire quoi, en tout cas, c'est comme direction de quelque chose, des bourses, qui donne des bourses. Il faut juste faire une demande en ligne et tout ça, mais les critères sont très, 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 très sélectifs. Il faut connaître des gens. Personnellement, moi, j'ai une bourse. Okay. J'ai une bourse. Tu connais qui? Il ne dit pas tout. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ah, c'est ça, c'est toujours donc, ça. C'est ça. Mais ne comptez pas aussi sur la bourse parce que, personnellement, moi, je touche ma bourse, mais la première année, j'ai payé moi-même ma session d'automne qui faisait 10 000 $. J'ai payé ma session d'été et la bourse est venue après. Une fois que tu es sur le territoire aussi, si tu as pu arrêter sur le territoire, tu as comme l'ambassade qui donne des bourses aussi. Il y a un nombre de bourses pour comme des Ivoiriens, différentes nationalités aussi, donc comme des partenaires des gouvernements, qui te permettent de payer comme des Québécois et des Français. Pour la Côte d'Ivoire, tu peux le faire ici, tu vas enlever un Ivoirien de la Côte d'Ivoire, t'as pas enlevé la Côte d'Ivoire lui, même si c'est sélectif. C'est ça, c'est pas très sélectif, c'est même ça. Il faut connaître quelqu'un. Ouais, même chose, connaître quelqu'un. Lorsque vous commencez vos formations, je sais qu'il y a des bourses d'excellence aussi. Si vous êtes bien et que vous validez vos cours, vous avez vraiment une moyenne de 3. Justement, c'est excellent. C'est même pas bien. Genre, si vous êtes vraiment excellent, vous avez des bourses d'excellence qui sont souvent, qui sont souvent là. Et vous avez juste à faire des applications. S'il y a des périodes de temps qu'il faut respecter. Mais justement, c'est ça. Et le plus souvent, c'est quoi? 2000 $. Ça peut aller jusqu'à 5000. Donc, ça peut vraiment payer. Déjà que la scolarité pour les étrangers, c'est très très cher. Vous allez lui parler. Arrêtez. Est-ce que toi,
toi, tu as des enfants sur les bourses? Ben, les bourses en France, non, moi je sais que c'est bon. Nous, on passe par le système avec les Nations Unies, avec mes parents. Okay. C'est juste que, tu sais, on paye, puis ils nous remboursent une partie à la fin de l'année. Des frais de scolarité? Ouais, c'est ça. Okay. Des frais de scolarité, des livres, etc. Et bah, dis donc! Mais ça, c'est vraiment le système des Nations Unies, genre, il n'y a pas de rapport avec la France. Les Nations Unies. Du coup, on a parlé des bourses, etc. Mais ce qui serait bien de savoir, c'est combien vous payez, surtout les étudiants étrangers, mais non francophones et belges, enfin non français et belges, parce que nous, on a une entente avec le Québec. Mais c'est vrai que vous, non. Donc Yasmine, est-ce que déjà toi tu veux dire combien on paye nous en tant que... Moi je crois que c'est entre 5 000 et 6 000 la session. Pour le bachelor, t'as combien de cours? Mais, au début je prenais 5 000, c'est quand j'ai 4 cours. Ok. Mais 5 cours là, je pense que je paye 5 000, 6 000, quelque chose comme ça. C'est cher hein, les cours de bachelor. Le bachelor, parce que moi, pour 4 cours... Mm-hmm. Ouais, pour 4 cours, je paye 1600, 1500 dollars. Ah, ok. Ouais. Mais c'est important, t'as pas. Moi, je suis française. Elle est française, donc. La maîtrise, c'est 1500 dollars 4 cours. 4 cours. Ici, on paye comme les Québécois. Ici, la maîtrise est moins chère que le bachelor. Donc, c'est ça, en fait. Maintenant, on parle. On va les choquer. On va les choquer, là. C'est pour les passeports verts, là. Oui. Le passeport vert pour parler. Avec les défauts dessus, vous allez payer comme presque 10 000 dollars la session. Combien pour 4? Pour 4 cours. Pour 4 cours. Et là, je ne prenais pas de cours. Assurez-vous de passer vos cours parce que c'est pas. Payer 10 000 dollars de cours. C'est pas donné. C'est pas donné. Du tout. Quand genre tes choix, un cours, des cours et tout, que tu veux par exemple. Renouveler tes papiers si ça a expiré, tu auras des problèmes avec l'immigration puisqu'ils peuvent te demander pourquoi t'as échoué. Ouais. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, aussi, il y a l'école qui te demande d'avoir une certaine moyenne pour rester dans ton programme. Donc, déjà, encore, c'est une pression parce que si t'as pas une certaine moyenne, on peut te chasser du programme. Donc, voilà. Là, on va quitter un peu le cadre de l'Université Laval. Ah bon? Et ouais, on va parler de la vie à Québec. Donc, je vais vous demander en quoi vous avez été dépaysé, ce qui vous a surpris ici. On a un truc en commun. Est-ce que vous vous sentez froid, t'as peur. C'est pas le froid. C'est pas le froid, c'est le froid. Ah oui, Est-ce que vous vous sentez bien intégré, etc. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Le premier dépaysement. Après, il faut dire, c'est parce que nous, on est dans la ville de Québec. Ouais. Oui. À Montréal, il y a beaucoup plus de multiculturalité. Il y a plus de diversité. Ouais. Un peu moins à Québec. Mais après, dans l'université même, il y a de la diversité. Il y a beaucoup d'étudiants. Mais là, on parle de la ville de Québec. Ouais, surtout vous qui venez d'Afrique. Justement. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Vous êtes vraiment avec la communauté en force. Nous, encore en France, bon, voilà, il y a des Blancs, il y a des Arabes, il y a des Asiatiques et tout en masse. Ouais, c'est vrai que vous, ça devait être un peu choquant. C'est le premier truc qui est marquant. Tu prends le bus, tu te rends compte qu'on te regarde bizarrement, tu comprends pas. Et comme tu regardes, c'est ça. Peut-être pas, on te regarde pas bizarrement. Et la seule. On te regarde pas bizarrement, mais quand même, tu remarques. Que de base, c'est pas quelqu'un que ça gêne, mais tu te dis que tu es beau et puis. Ouais, c'est beau et puis. C'est tout Non, mais deuxième truc, le froid quand même. Bah, le froid quand même. Ouais, le froid. C'est... Moi, on m'a dit, fais froid et tout. C'est pas possible. Donc, le froid, c'est une chose. Parce qu'on te dit, il y a ce que tu penses. Et puis, il y a ce que tu penses. Ouais, voilà. Même pour nous qui sommes en France, c'est pas le même froid. Et quand tu sors et que tes jambes, tu sens tes poils qui sortent comme ça. Quand tu rentres chez toi et que tout ton corps te brûle. Parce que je suis en train de dégeler. Quand t'es dehors et que tes poils te brûlent. Et les narines. Justement, quand t'es dehors, même là, tu es là, tu sens même pas tes doigts. Moins 30, tu sens pas. Il est très souvent bleu ici, c'est ça. Moi, en tout cas, ça te remonte le moral. Ça me remonte le moral, ouais. Le fait qu'il y ait beaucoup de soleil, mais par contre, il fait froid. Très Mais au-delà du froid, le soleil, en fait, c'est la nuit qui tombe à 15h. Ouais, aussi. L'hiver. Là, l'hiver. 15h, 16h, il fait noir. À 15h, il fait noir. C'est compliqué.
compliqué pour les études aussi. Genre. Ouais, c'est ça. C'est, mais c'est comme t'es fatigué. T'es fatigué. Et en même temps, au travail aussi, en même temps que les études. Donc, ouais. On essaie de vraiment améliorer les deux. C'est un peu comme si t'es conditionné en mode stress, c'est la nuit, fait une dors et tout. Tu rentres limite, tu veux faire à manger, enfin, tu dors. T'as même pas envie. T'as même pas envie, tu dis, bon, aujourd'hui, je dors. Moi, je prenais des cours qui commençaient à 15h ou 18h, mais il faisait nuit déjà. Et nous, avec Limon là. On commençait les cours à 18h30, normalement on devait terminer à 21h30. Le gars il allait jusqu'à 23h frère. Non mais frère, le gars il abuse. Non mais elle disait ça parce qu'elle ne voulait pas. Elle disait, je vous promets, elle voyait les rediffusions. Moi ce que je pense de Québec, c'est que c'est une ville comme pour les étudiants. Ouais, c'est ça. Que quand il y a des congés, t'as comme des breaks et tout, la ville est un peu morte. Parce que le monde s'en va comme à Montréal, les gens bougent un peu. Ottawa, ouais. Et puis malheureusement, moi j'ai pas encore fait d'été vraiment parce que l'année dernière on était comme en plein Covid. Ouais, c'était un peu tout fermé. Ah, t'as pas fait d'été encore? J'ai jamais fait de festival, donc je sais pas à quoi ressemble Québec. Fait que... ouais. C'est ça, en fait, c'est ça, du coup, qu'il y a beaucoup d'étudiants en fait, dans tous les cas. Genre, si nous on se connaît, c'est pas pour c'est parce qu'on est étudiants, il y a beaucoup d'étudiants. L'université Laval, il y a beaucoup d'étudiants quand même, donc c'est ça. Ouais, c'est ça. Et bien, de toute façon, on vient pour étudier déjà. De base, c'est ça. Oui, c'est ça, on vient de base pour étudier. De base. Non, mais après, par contre, on a parlé du froid, mais il faut quand même savoir que l'été, il fait chaud. Il fait chaud. Là, aujourd'hui, il fait 26 degrés par exemple. Ouais, il fait très chaud. Donc, non, il y a des. L'été, il est bien. Et franchement, l'été, c'est bien. Mais après, vous n'êtes pas obligé, par exemple, de rester à Québec pour aller à Montréal ou Ottawa. Toronto. Donc, c'est ça. Bon, moi, j'ai quand même vécu l'été en soi. Donc, c'est très bien. Il y a vraiment des festivals. Enfin, il y a vraiment des festivals qui sont organisés parfois. Donc, disons Ottawa. Genre Ottawa ou... Enfin, pardon. Vas-y. Ah, ok. Ok, d'accord. Ok. Donc, Ottawa ou Montréal, par exemple, vous avez la fête du Canada qui est le 1er juillet, j'ai juste ajouté ça. Parce que c'était très très bien organisé et il y avait vraiment genre. Bah, il y avait le Premier ministre même, donc il y avait plein de. Non, j'en parle contre le Premier ministre. Non, il est beau, il est beau. Non, Monsieur Trudeau, mais arrêtez! Vraiment, le fait d'être au Canada, il y a beaucoup de choses à faire. Même ici, les gens qui partent, les vacances ici. Pour eux, ce qui est banal, c'est aller à Cuba, aller au Mexique. Ça veut dire pour $500, t'as une semaine, tout compris là-bas. Ça veut dire que non, il y a plein de choses à voir en dehors du fait que voilà, nous là, on peut pas bloqué à cause de bloqué. Mais sinon, on serait allé aux États-Unis, on serait allé à Cuba, on serait allé à Cancun. Oui, à Cancun aussi. Cancun là, aujourd'hui même, on serait à Cancun. Ouais, demain même. C'est vraiment accessible et non, c'est. Mais bon, il y a de belles choses à voir. Mais de belles choses à voir à Québec. À Québec, il y a beaucoup de choses à voir. Sur la dernière question. Est-ce que vous voyez vivre ici? Non. Oui. Attends, personnellement, oui. Il a pas développé. Canada ou Québec? Québec. La ville de Québec. Non, Canada. Attendez, qui se voit vivre à Québec? La ville de Québec. Qui se voit vivre dans la région de Québec, genre les... La province. La province, c'est grand. Et au Canada, ouais, ça. Oui, c'est sûr. Donc, du coup, les gars, c'est la fin de la vidéo. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Oui, un message de la fin. Moi aussi, j'ai des conseils. Par rapport au fait de venir habiter au Canada, ce qui est très facile, c'est trouver des emplois étudiants. C'est tellement facile. Anecdote, moi. Le premier job, j'avais jamais travaillé en France, je suis arrivée, c'était la semaine du Black Friday. Je suis allée déposer mon CV avec une amie à moi que j'ai rencontrée ici. Le lendemain, on vous a appelé, venez travailler. Tu vois, c'est super simple. Bien sûr, puis pour ajouter ce que vous avez dit, ben, si tu viens, si vous venez pour étudier, c'est sûr que votre priorité, c'est d'étudier. C'est sûr que quand vous allez commencer à travailler, vous allez toucher un peu d'argent, vous allez vous dire... Ah oui, j'avais pas cette opportunité peut-être dans mon pays de me toucher ce salaire chaque 2 semaines parce qu'ici on paye aux deux semaines. Donc ça peut vous monter à la tête, puis peut-être que vous allez peut-être fuir vos objectifs, mais restez concentré. Restez concentré sur vos priorités parce que vous êtes là, c'est pour les études. Puis après, si vous avez vos diplômes, vous pouvez faire ce que vous voulez. Puis n'oublie pas là, tu mets nos arrobas. Nos arrobas. Ajoutez-nous sur Instagram. Faut DM. Allez DM, dites-le.
On va parler des bourses quoi, si vous voulez plus de détails. Voilà, vous allez parler des bourses. Ouais, ouais, des bourses de l'Université Laval. Ouais, moi, je vous parler de la prépa aussi. Justement, de Québec aussi surtout. Si vous avez besoin d'un endroit pour visiter quoi que ce soit, je suis là. Guide touristique, justement, à temps plein. Je rien, on est tous arrivés ici. Est-ce que quelqu'un connaissait quelqu'un ici? Personne. On est venu habiter nous-mêes, on s'est débrouillé. La vie d'adulte. Des belles personnes comme ça. Et on est en train de terminer nos études. Restez focus et restez ambitieux. Donnez tout. Et tout ira bien. Tout se passera très bien. Et surtout, n'oubliez pas de me follow. Persévérer. Ouais, moi aussi, n'oubliez pas de me follow sur Instagram, précisément. Bon, allez, je termine la vidéo, sinon ça ne va jamais terminer. Merci. Nous sommes chill, chill. Est-ce que ça vous a plu? On a appris des choses. Mais pardon. Marguerite. Non, pas du tout. Bah, merci à Mélissa surtout qui nous a invité pour la vidéo. On a pris la mutuelle aussi. On a beaucoup mangé aussi là. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu la story. Si vous ne me suivez pas, vous n'avez pas vu le brunch. C'est dommage. Et voilà. Un brunch. Un brunch. J'aime pas. Hello, comme sur ma YouTube channel. C'est vrai, est-ce que tu fais une introduction? Moi, je t'ai dit les Ivoiriens. Les Ivoiriens, et puis tu les as mis derrière nous. Ça va être dans la vidéo. En fait, des trucs bizarres, moi, je m'en fous. Attends, mais t'as commencé en fait. Mais préviens-nous. Mais elle a commencé, les gars. Mais préviens-nous quand même. Les Ivoiriens derrière la chambre. Non, c'est bon, vous êtes prêts? Mais on a l'air un peu trop sérieux quand même là. Non, mais Marguerite, rapproche-toi un peu de lui. Mais après, on voit pas là. Ah, hello. Welcome to my channel. Hello, guys. Like, subscribe, like, share. Thank you. And family. Comment? If you have any questions. Are you scared? Don't forget to hit me in my DM. Yes, DM me too. Let's go.